Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Sabrine, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Théo. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau Jump Live. On est habituellement sur Instagram et on fait un petit test en partenariat avec le Média VL sur Facebook pour toucher plus de monde, d'autres personnes et puis tenter des petites choses pendant ce confinement. Comment allez-vous? Ben, très bien, confiné, mais Oui, ça va. avec. Bon, on le rappelle, ce Jump Live sert tous les soirs à donner la parole à des acteurs, aussi bien journalistes, sportifs, vétérinaires, comme on aura la chance d'en avoir la semaine prochaine. Et ce soir, on est avec Sabrine Delaveau, journaliste, écrivaine, fondatrice de l'académie qui porte votre nom et mère d'une future championne et fan d'un champion. Ça fait beaucoup de casquettes, ça, non? Oh, c'est épuisant. Et surtout là, pendant ce confinement, vous êtes tous sous le même toit, on imagine comment ça se passe entre les cours, les chevaux. Bah, ça va, ça se passe très bien parce qu'on a quand même la chance d'être confinés à la campagne, dans une maison avec un jardin. Voilà, je pense qu'on est plutôt privilégiés. Après, oui, voilà, il y a les cours pour les filles, Capucine et Valentine, et puis les chevaux qui sortent avec bah, Patrice monte tous les jours, travaille ses chevaux tous les jours avec toute son équipe. Voilà, il y a rien que du normal pour Oui. nous. Bon, alors ça va être très participatif. Ce soir, on va parler de pas mal de sujets. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat directement à poser vos questions et en live, on répondra à vos interrogations. Je voulais débuter sur l'Académie. C'est vrai que c'est tout nouveau. Ça fait moins d'un an que vous avez lancé l'Académie qui porte le nom de Lavaux, justement. Mais c'est bien vous, c'est pas Patrice qui l'a lancé. Oui, c'est ça. Bah, Patrice, il est encore assez occupé, hein, avec son métier J'espère. d'athlète de haut niveau quand même. Et oui, bah voilà, moi j'ai lancé, ça a démarré en septembre dernier. C'est notre première année avec donc le coronavirus qui vient s'installer au milieu. Pour une première année, c'est sympa. Voilà, mais c'est très bien parti, ça marche très bien, tout va bien. On a déjà pas mal de demandes pour l'année prochaine, enfin même d'inscriptions pour l'année prochaine. Donc voilà, ça se met bien en place. Et donc pour rester un peu sur ce sujet, en fait, vous préparez les champions de demain, si j'ai bien compris, tout en ne mettant pas de côté l'éducation. C'est vraiment ce double projet pour qu'à la fin de leur scolarité, ils puissent choisir soit de continuer dans le sport de haut niveau, soit pouvoir se réorienter avec un bon bagage. Bah, c'est vrai que le double projet sportif et scolaire est capital pour moi et pour toute l'équipe qui m'entoure. Voilà, on a mis en place des horaires aménagés avec la cité scolaire André Mauroy à Deauville. Et tous les enfants vont monter à cheval ou à poney tous les jours à partir de 15h30. Ils ont des cours de média training, des cours de préparation physique, de préparation mentale. Voilà, on a mis en place toute une structure autour d'eux, mais sans jamais dissocier le scolaire du sportif. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que vous êtes 100% sur cette activité pour le moment ou vous continuez vos activités on sait que vous avez écrit quand même pas mal de livres, notamment. Oui, alors je ne suis pas Wonder Woman. Hein. Donc à un moment donné, je ne peux pas tout faire. L'académie, elle m'occupe bien. J'ai aussi deux filles. Et c'est vrai qu'il y a aussi la carrière de Patrice à côté. Donc bah, écoutez, les livres, non, pour l'instant, j'ai un peu mis ça entre parenthèses parce que ça demande quand même pas mal de travail et d'investissement d'écrire un livre. Donc, mais là, c'est juste pas possible, quoi. On y reviendra notamment sur Jour de conquête. C'est vrai qu'en cette période de confinement, on a un petit peu creusé les archives. Archives qui commencent un petit peu à dater. Ça fait 6 ans que Oh là là, déjà. Paris a été sacré double vice-champion du monde à Caen. Donc on se replongera avec des petits passages de votre livre et en vidéo sur ce moment. En tout cas, hier soir, je me suis replongé dans ce fameux samedi 6 septembre et c'était assez émouvant. Pour parler un petit peu de justement vos filles, elles suivent le chemin de leur père. Comment ça se passe quand on a un nom, en tout cas dans ce sport, et qu'on pratique le même sport? Alors bon,
Il y a Valentine qui vient d'avoir 18 ans et Capucine qui a 11 ans. Donc, on n'est quand même pas dans le même profil. Hein. Pour l'instant, Capucine s'amuse. Elle monte un petit peu à cheval. Elle fait un peu de concours. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Pas plus loin. Valentine, oui, aujourd'hui, elle est beaucoup plus avancée. Elle est complètement passionnée. Elle commence à monter dans de belles épreuves et elle a très envie de marcher sur les traces de son père. Oui. Après, la route est longue. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir plusieurs exemples dans le monde du cheval, des grandes familles, des grandes lignées qui se suivent au plus haut niveau. Et c'est vrai que certains, on avait vu comme Philippe Rosier, prennent ce nom qu'il héritait de son père Marcel, qui était champion olympique, comme une grosse pression et essaie de s'en détacher. Est-ce que Valentine arrive à s'en servir comme une force plutôt? Alors, je pense que ça, c'est propre à chaque individu. Je pense que Valentine, elle a un côté animal à sang-froid qui fait que, voilà, elle a compris depuis maintenant quand même longtemps, depuis qu'elle monte à poney. Elle a commencé, elle devait avoir 6, 7 ans. Bon, elle a compris qu'elle serait toujours un peu plus regardée que les autres. Et je trouve qu'elle l'a plutôt bien digéré. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont elle ne s'occupe absolument pas. Alors bien sûr, comme elle dit souvent, bon, bah, de toute façon, à partir du moment où on veut commencer à monter à haut niveau, on est toujours plus attendu parce qu'on doit toujours performer et montrer que voilà, ça va, ça se passe bien et on avance. Alors avec son nom, c'est un peu plus marqué, ouais, voilà. Mais bon, comme nous, on s'en occupe pas. Je pense qu'on est souvent des miroirs pour nos enfants et si nous, on s'en détache, elle s'en détache aussi. Voilà. Et je vois une première question d'Alan par rapport au livre. Justement, combien de temps vous mettez pour écrire un livre? On refait le pont avec votre casquette d'écrivaine pour le coup. Alors, ça dépend un peu le type de livre. Quand j'ai écrit Jour de conquête, qui était le premier livre, c'était un livre de portrait. De différentes personnalités du monde du cheval. C'est vrai que là, bon, bah, c'est une organisation, on rencontre les gens, mais comment dire, le rythme nous est propre. Quand j'ai écrit Jour de conquête, le livre sur le championnat du monde, bah, là, c'était des carnets de route. Donc, en fait, je suivais l'équipe de France, je les ai suivis du moment où Philippe Garda est arrivé à la tête de l'équipe de France en février-mars 2013, et on est allé jusqu'au 6-7 septembre 2014. Et voilà, donc ça a été dicté par les événements, donc c'était plus long. Et puis, parce que j'ai la liste du coup de vos livres toujours équestres, finalement, sous les yeux. En plus de Jour de conquête, il y a eu Confession cavalière. Tu seras cavalier, mon fils, dédié à la famille Pessoa, justement, quand on parlait de cet héritage dans les sports équestres. Et puis, l'annuel du saut d'Obstacle, c'est toujours des livres qui parlent en tout cas, de passion du cheval avant tout. C'est quatre livres complètement différents. Et justement, j'avais envie d'écrire ces quatre livres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je n'écris plus parce que je suis allée un petit peu au bout de ce que je voulais faire. Le premier, c'était un livre de portrait parce que j'adore écrire des portraits. C'est vraiment ce que j'ai toujours aimé dans le journalisme, plus que le reportage. Et ensuite, le livre sur les Pessoas, mais je me disais, voilà, rien n'a jamais été écrit sur cette famille incroyable. C'était dommage, Nico n'est pas éternel et il fallait recueillir un peu tous ses souvenirs avant qu'il soit trop tard, quoi. En plus, Rodrigo, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. C'est un champion phénoménal. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'écrire sur eux. Après Jour de conquête, les carnets de route, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc j'avais à cœur de le faire. Je l'ai fait sur les championnats du monde. Ça s'est bien passé pour Patrice, mais bon, j'avais aucune garantie au départ, hein, et il pouvait s'arrêter en cours de route et j'aurais continué avec les autres. Hein. Et le dernier, c'était un annuel parce que je trouvais dommage que
Contrairement aux autres sports, l'équitation n'est pas d'annuel de fin d'année qui reprennent un petit peu tous les grands événements de la saison. Et j'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait en 2016 quand la France est championne olympique. Donc c'était génial, quoi. Voilà. C'est vrai que je voulais poser cette question justement si Patrice ou en tout cas l'équipe de France n'avait pas autant brillé ou en tout cas il n'y avait pas eu autant de rebondissements ju jusqu'au championnat du monde de Caen qui est le grand dénouement de votre livre, vous auriez continué avec la même saveur à prendre des notes chaque jour pour le retranscrire ensuite? Je m'étais quand même dit que ça pouvait arriver, oui, que Patrice pouvait s'arrêter en cours de route et que j'allais finalement continuer avec les autres. Maintenant, j'avais une très bonne relation avec l'ensemble des cavaliers de cette équipe et oui, j'aurais continué. Alors la même saveur, bon, intérieurement forcément, j'aurais toujours, ça aurait été différent, mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait arriver, oui. Bon, juste avant de revenir sur le livre dédié au Pessoa, on va tester un petit nouvel outil. On va vous mettre en sondage directement dans les commentaires. Dites-nous si vous étiez justement à Caen, au Stade d'Ornano, pendant les championnats du monde. Et puis, on a une petite surprise après en vidéo. Je voulais savoir comment ça s'est passé un petit peu d'aborder les Pessoa et comment une famille aussi importante des sports équestres peut se livrer. C'est quoi? C'est une sorte de biographie des deux, de Rodrigo et Nico? Je pense que je suis arrivée au bon moment pour Rodrigo. Il avait envie de le faire. Donc ça, c'était déjà important parce que j'avais son accord et il avait envie de parler de son histoire et de l'histoire de Neko. Alors Neko, c'était un peu différent parce que Neko, c'est un oiseau, c'est un artiste. Il avait commencé déjà pas mal de choses, mais qui n'étaient pas allées à leur terme. Voilà, Neko, quand on l'attrape, il faut arriver à lui faire dire un maximum de choses parce qu'on n'est pas forcément sûr de le revoir le lendemain au même endroit. Voilà, il est toujours à droite, à gauche. J'ai quand même réussi avec l'aide de Neko, avec de Rodrigo, avec l'aide de Regina, qui m'a vraiment beaucoup aidée pour le livre, la femme de Neko, la maman de Rodrigo. Et on est arrivé quand même à faire un beau livre qui reprend quand même l'essentiel de leur vie à tous les deux et à tous les trois, même avec Regina. D'accord. C'est vrai que ça me fait penser à. J'ai vu une photo il y a peu de Marcel Rosier et Neko Pessoa qui se sont rejoints sur un concours et même plusieurs. C'est vrai qu'à eux deux, ils représentent quand même le 20e siècle équestre encore vivant finalement. Ouais, puis une période complètement folle des sports équestres, avec un nombre d'anecdotes, d'histoires. Marcel parle beaucoup aussi dans le livre. Je pense que c'est un très beau témoignage du sport équestre à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que bon, si les gens ont des livres de vous dans les bibliothèques, c'est souvent ce livre qu'on voit, non? Oui. Enfin, bon, j'en sais rien parce que j'ai jamais fait. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un livre pour les puristes et les amoureux du sport équestre. C'est un livre qui est vraiment porteur et qui est un très beau témoignage de ce sport. Voilà, de l'évolution de ce sport et de la passion de ses acteurs. Très bien. On a une autre question qui fait référence à vos nombreuses casquettes. Comment se déroule une journée type de Sabrine Delaveau, justement? C'est vrai que depuis l'académie, ça a dû quand même pas mal changer. Bah oui, parce qu'en fait, il y a mes enfants, mes deux filles. Il y a effectivement l'académie qui m'occupe beaucoup parce que la mise en place a été quand même quelque chose d'important et de très prenant. Parce que ça, voilà, c'est pas quelque chose qui se monte comme ça en claquant les doigts. Après, c'est vrai que
On est quand même rodés depuis 20 ans qu'on est mariés, mais je veux dire, avec Patrice, il y a quand même énormément de choses à faire aussi dans la logistique quotidienne de l'écurie. Donc voilà, les journées sont courtes. Et justement, en tant que sportif, on a eu Jérôme Guéry, Simon Delaisse, Marc Dilasserre qui nous ont dit, bon, ben, on n'a plus d'objectif, mais c'est pas plus mal parce que on sent les chevaux vraiment redescendre en pression. Est-ce que vous sentez votre famille sportive aussi redescendre en pression et vous partagez peut-être plus de moments, ou en tout cas, vous êtes moins à 1000 à l'heure à aller de Saint-Tropez à Hong Kong, comment vous vivez cette période? Si tant est qu'on met de côté le drame qui joue et auquel on doit tous faire attention. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, comme pour tout le monde, hein, et dont on a pris la mesure de la gravité assez vite. Après, bon, que ce soit Patrice ou Valentine à un autre niveau, mais elle avait aussi des objectifs. Patrice avait sa saison, ses chevaux qui arrivaient tous en forme. Mais ils ont quand même eu beaucoup de mal tous les deux. Voilà, tous les deux, au début, ça a été vraiment dur de se dire que une grande partie de la saison était fichue, quoi. Voilà, aujourd'hui, ils prennent la mesure, bon gré mal gré, mais ça n'a pas été si simple que ça au départ. Voilà. Oui, on imagine. Quand vous suivez une famille comme ça, est-ce que vous allez sur les déplacements? Est-ce que les filles suivent Patrice? Comment ça se passe en fait? On se rend pas bien compte. C'est toute une petite caravane qui suit Patrice au fur et à mesure des concours? Bah, on l'a beaucoup fait quand les filles étaient plus petites. C'est vrai que c'était des moments assez chouettes. On voyageait un peu partout et ça pouvait se faire à ce moment-là. Maintenant, c'est plus compliqué. On essaye d'organiser un peu voilà, sur des concours plus que sur d'autres. On choisit, on fait une sélection. Et puis, il y a aussi Valentine qui a des concours qui ne sont pas les mêmes que ceux de Patrice, hein. Et dans ces cas-là, bah, c'est moi qui l'accompagne parce que je veux pas qu'elle soit toute seule. Je pense que Valentine a plus besoin de moi encore aujourd'hui que Patrice. Mais voilà, on essaye d'organiser un peu les choses et Capucine, elle s'adapte un peu, elle suit. Oui, c'est vrai que Capucine, votre dernière fille, encore assez jeune, mais on la voit quand même un petit peu bien gaillarde sur certains concours. J'ai vu quelques vidéos sur la page de Patrice. Oui, elle est très passionnée et elle adore venir voir son père et elle suit beaucoup sa sœur aussi et puis elle commence à faire un peu de concours elle aussi. Donc il faut se partager un petit peu entre tout le monde, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il ne faut pas non plus perdre le fil de la compétition de haut niveau parce que c'est voilà, c'est important puis c'est quand même notre vie et notre priorité aujourd'hui. Oui, c'est vrai que bon, c'est plus qu'un métier et c'est le sport, vous le décrivez bien dans votre livre, ça apporte des montagnes russes qui sont plutôt incroyables et qu'on ne vit nulle part ailleurs. Ouais, on attrape plus de cheveux, plus vite les cheveux blancs que d'autres, sûrement. C'est assez, c'est assez dur parfois, hein. C'est assez violent parce que voilà, quand c'est chouette, c'est aussi des moments, waouh, de tension extrême. Et quand ça va pas, Oui. c'est pas une partie de plaisir. Et justement, dans l'Académie de Lavaux, j'ai vu que vous y appelez à des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques. Est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Est-ce que c'est vraiment le futur pour tout sportif qui devient plus qu'un sportif, un businessman finalement? Je pense que c'est de plus en plus important parce que quand Patrice a démarré la compétition, quand il avait 10 ou 12 ans, il n'était pas soumis à la même pression que Valentine quand elle a démarré elle aussi. Il y avait moins de médias, enfin, c'est lui qui nous le dit, hein. Il y avait moins de médias, ils étaient plus tranquilles, ils étaient entre eux.
Là, aujourd'hui, je veux dire, ils sont très vite soumis à cette pression des réseaux sociaux, des médias, de l'exposition qui est très importante, même à petit niveau, quoi. Oui, c'est vrai que même nous, on est encore plutôt assez jeunes, j'espère, mais on voit le sport évoluer et qui se professionnalise. C'est vrai que Pierre Cossabanni nous a dit, il y a encore 20 ans, aux Jeux Olympiques, la presse était mélangée avec les cavaliers, tout le monde était ensemble, et maintenant, tout est placardé avec des chiffres sur des accréditations. Et pour lui, c'est vrai que c'est déshumanisant. Et puis, on a eu Christophe Hameu qui nous a dit, qui était là à votre place la semaine dernière, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix parce qu'on se fait devancer, parce qu'il faut mettre en lumière ce sport et montrer qu'on fait partie intégrante de cet écosystème. Oui, non, mais de toute façon, cette professionnalisation, elle n'a pas que des points négatifs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. Voilà, non, non, loin, loin de moi l'idée d'aller contre ça. Et cette évolution, en plus, elle était nécessaire parce qu'aujourd'hui, les concours sont mieux dotés, les cavaliers gagnent beaucoup mieux leur vie. C'est un sport qui, sans dire qu'il rejoint les autres niveaux de sport, mais qui a quand même gagné en puissance, en exposition et en professionnalisme. Mais voilà, disons qu'aujourd'hui, c'est quand même un sport d'une vie. On se dit que les jeunes ont le temps de rejoindre leurs aînés, mais maintenant, ça commence quand même de plus en plus tôt et on leur en demande de plus en plus, de plus en plus tôt. Oui, c'est vrai que maintenant, finalement, ceux qui veulent y réussir, ils doivent s'encadrer de tout un staff très tôt et devenir des adultes à 13 ans, même que ce soit sur le circuit poney, enfant, junior. C'est vraiment des sportifs à part entière, même si la carrière d'un cavalier peut durer jusqu'à 70 ans. Après, il faut savoir aussi raison garder, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut arriver quand même à faire redescendre la pression en interne. À 12, 13, 14, 15 ans, ils sont, je veux dire, ils sont quoi? Ça reste des jeunes cavaliers qui montent à poney ou à cheval, qui peut présager de ce qu'ils seront demain? Il faut faire attention à ça, quoi. Il faut quand même un petit peu garder les pieds sur terre et savoir leur garder aussi une tête d'un diamètre raisonnable. Et voilà. Donc les Je pense protéger. qu'ils restent quand même conscients des choses, quoi. Et qu'ils Et restent dans la vie réelle. ça passe, pardon, par justement le fait de suivre une scolarité et d'être avec d'autres enfants qui ont d'autres passions et ainsi de suite. C'est rester dans ce système scolaire, bien que l'académie propose un encadrement de haut niveau pour le côté sport. Je pense que l'école, il y a le projet pédagogique, oui, qui est capital, mais il y a aussi voilà, le tissu relationnel, le contexte. Les enfants se développent aussi leur sociabilité à travers leur rapport aux autres. Et l'équitation reste un sport quand même. Dire qui n'est pas extra enfin qui est médiatisé de plus en plus, mais qui reste encore discret par rapport à certains autres sports comme le tennis ou le football, par exemple. Et quand ils arrivent à l'école finalement le lundi, les gens ne savent pas trop ce qu'ils ont fait le week-end. Et ça permet de passer aussi à autre chose. Quand ça va bien, bah, en fait, ils passent à autre chose. Et quand ça va mal, ils passent aussi à autre chose. Voilà. Bon, je lis les commentaires en même temps. On a Philippe qui nous remercie pour cette interview. Une grande femme derrière chaque homme. C'est vrai que les femmes d'eux ou hommes d'eux, en tout cas, bon, même si c'est un terme que je trouve assez que j'apprécie pas trop, sont un pilier finalement. C'est toujours quelqu'un de l'ombre, comme le groom, comme d'autres métiers, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est un équilibre, ça, pour tout sportif. Je sais pas, il y a peut-être des hommes célibataires ou qui sont pas forcément mariés, pères de famille, qui se débrouillent très bien. Hein. Je pense qu'il faut relativiser aussi un peu les choses. Le champion, il est tout seul sur la piste, il s'exprime, il n'a pas besoin de sa femme. Hein. Donc voilà, moi je pense que
Oui, il y a un côté, voilà, on est là, un soutien au quotidien, un soutien dans les bons et puis surtout dans les moins bons moments, un repère, voilà, je pense que c'est un point d'ancrage qui est important pour un sportif, mais je pense que c'est tellement au cas par cas, individu par individu, chacun est différent et. Voilà, je sais pas. Nous, ça fonctionne bien comme ça, mais bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est vrai que vous disiez qu'il est seul en piste, ça va être l'occasion, c'est parfait, transition parfaite pour lancer la vidéo justement de ce 6 septembre 2014 dans le stade d'Ornano à Caen. Pour recontextualiser, on est juste avant la finale tournante, la mythique finale tournante qui malheureusement n'est plus d'actualité pour ces championnats du monde. Et un certain Patrice Delaveau rentre en piste, s'il est sans faute, il est qualifié dans ce quatuor et peut prétendre au titre de champion du monde. Et c'est l'une des toutes dernières pages de votre livre. On parlera après de ça, on va lancer la vidéo. Quatrième place est à 8,70. Il a 4,08. Patrice Delaveau, Orient Express, HDC. Wonderful day, the Air Force riding Orient Express HDC. The France, Patrice Delaveau, le propriétaire bleu. Journal du Haras des Coudrettes. 12 ans, Pakistan, Kamchatka. J'espère que le son était bon. J'ai des amis dans les commentaires qui me disent les poils hérissés. Et vous, en tant que femme de Patrice, qu'est-ce que ça fait de revoir ça? Si nous, juste passionnés, totalement extérieurs finalement à cette aventure, ressentons des choses aussi fortes? Ouais, bah, c'est sûr, moi je les ai revus là parce que vous me les avez envoyés. Là, il y a quelques jours, ouais, bah c'est ouais, les poils hérissés parce que c'est vraiment, on se rappelle tout ce qu'on a vécu pendant cette semaine à Caen. C'était inouï et inoubliable. Mais c'est bien de se replonger de temps en temps parce qu'on oublie. Après, moi, j'ai pas vécu dans le stade cette Je vais le après-midi-là. raconter. Donc, ça me fait plaisir de voir comment ça s'est passé à l'intérieur. C'est vrai que nous, on voit, bon, on a vu un Patrice très en forme à Hong Kong 2013, et puis monter petit à petit quelques coups durs aussi. Mais en tout cas, on ne voit pas ce quotidien, ce off. Donc, cette performance doit avoir encore beaucoup plus de saveur quand on a tous ces paramètres-là et qu'on sait d'autant plus que c'était un combat acharné. Je ne sais pas si on se dit tout ça. Hein. C'était
C'était une semaine formidable, entourée de belles personnes, entourée de gens, voilà, de grands sportifs. Et voilà, moi j'ai la faiblesse de dire que ça s'est quand même super bien passé. Et voilà, et on est allé au bout de quelque chose, même s'il n'a pas gagné, ils n'ont pas gagné. Mais ils ont quand même, voilà, ils ont quand même fait des choses assez extraordinaires pendant cette semaine. Et c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent actuellement en direct sur Facebook, je le rappelle, pour contextualiser un petit peu, ce passage-là est le samedi 6. Patrice est sans faute, il se qualifie pour la finale tournante avec Jérôme Double-Dame, Biddy Madden et Rolf-Göran Bengtsson, sachant qu'ils sont quatre pour trois médailles, donc rien n'est joué. Mais ce samedi soir-là, Patrice est en tête des championnats du monde et il a atteint son rêve de gosse finalement. Cette finale, elle fait rêver tout le monde, elle le faisait rêver et c'était déjà un contrat rempli pour vous. A posteriori, vous vous dites voilà, il est deuxième parce que finalement Jérôme Double-Dame est passé devant. Mais on a souvenir de Patrice un peu effondré sur la barrière. Mal, c'est normal. Heureusement qu'il l'était, qu'il aurait été content. Bon, heureusement qu'il était effondré. Après, voilà, il y a eu ce samedi qui a été une journée mémorable. Et voilà, le dimanche, c'était que du bonus. Bien sûr, l'horreur, ça aurait été de finir quatrième, parce que pour avoir croisé certains des quatrièmes depuis quelques années que je suis avec Patrice, que ce soit à Lexington quand c'était Rodrigo, que ce soit à Caen quand j'ai vu sortir Rolf, ben voilà, c'est des moments super durs. Donc, ça aurait été terrible de finir ce championnat sur une quatrième place. Après, bien sûr, bon, voilà, c'est pas arrivé. On espérait gagner, on est deuxième. Et ben, c'était génial. Voilà. Et bon, je reprends votre livre. J'ai relu avec émotion cette journée du 6 septembre parce qu'en fait, vous, jour après jour, vous détaillez un petit peu ce qui se passe, en tout cas les jours importants. Et c'est vrai que ça monte en pression pendant les Jeux équestres mondiaux. Et quand on lit ce samedi 6, on s'y revoit et on a cette pression qui nous prend. C'était assez incroyable. Et vous disiez que vous n'avez pas du tout vécu finalement ça depuis la piste. Et je trouve cette phrase assez intéressante. De cette longue journée, très longue, pesante, épuisante, écrasante, je ne retiens que des flashs au moment où je rejoins en courant le paddock depuis le bar des Cavaliers, d'où j'ai suivi loin du stade en catimini et sur grand écran ces deux parcours. Pourquoi se cacher? C'est pas se cacher. Je voulais aller dans le stade. Je suis rentrée à 13h30, je m'en souviens très bien. Je suis rentrée dans le stade pour aller pour suivre voilà, dans les tribunes. Mais j'ai pas pu rester parce que je sentais cette atmosphère, cette électricité qu'il y avait. Je crois que j'aurais buté quand même mon voisin. Je veux dire, j'étais incapable de rester, j'avais une bougeotte terrible, je ne tenais pas en place. Et en fait, j'ai réfléchi à ce moment-là, je me dis, je vais où? Parce que je me sentais bien nulle part. Donc finalement, j'avais très envie de vivre ça de l'intérieur, mais en fait, à ce moment-là, on ne se dit pas du tout ça. On ne pense pas à l'émotion, on pense juste à ce que ça passe et que ça se passe bien, et on a un stress terrible. Et finalement, j'ai trouvé ce petit café où il n'y avait personne. Je me suis installée. J'avais des cavaliers qui arrivaient, qui venaient boire une petite bière, qui avaient fini leur parcours, qui avaient fini leur championnat. Et puis c'était calme, c'était bien. Il y avait la télé, mais il y avait un décalage avec la piste. Et donc ça m'a joué des tours à la fin pour le dernier tour parce qu'il avait déjà fini dans le stade. Alors que moi, il me restait encore trois obstacles à la télé. Mais voilà, j'avais compris qu'a priori, ça s'était bien fini. Oui, vous dites dans le livre que justement vous entendez ce stade en feu et qu'il reste trois obstacles, mais que vous, par superstition ou quoi, vous voulez aller jusqu'au bout de ce parcours et être sûr que c'est sans faute. En parlant de la superstition, c'est vrai qu'on
J'ai souvenir de Salomé, la fille d'Olivier Guillon, qui lui a trouvé un petit trèfle à quatre feuilles, qu'il a gardé. Vos vacances précédentes, un œil de grande dame. Sainte-Lucie. Pardon, voilà, l'œil de Sainte-Lucie. Patrice est superstitieux ? Non. Non, 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 non. Mis à part le portefeuille dans la poche arrière gauche du pantalon blanc, qu'il lui faut absolument et qui ça fait rire tout le monde. Emmanuel Perrompette, toujours morte de rire quand elle le voit avec son pantalon déformé à l'arrière par son portefeuille. Mais à part le portefeuille, non, il n'y a pas de superstition. Mais c'est vrai qu'il y a eu une accumulation de plein de choses. Et quand Salomé nous a amené toute fière son trèfle à quatre feuilles, je me suis dit waouh, c'est joli ça. Et là, on voit les images de ce stade brûlant. Je me rappelle aussi de certains passages où vous disiez que on n'avait même pas connu ça quand c'était l'équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 de Caen qui joue. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a porté bien plus Patrice que si c'était un championnat du monde à Lexington? On se rappelle qu'il était déjà vice-champion du monde avec Katina Mile. Bah, c'est complètement différent quand même. En plus, aux États-Unis, on n'est pas grand-chose, nous les Français. Hein, donc, c'est sûr qu'à Caen, c'était un vrai chaudron. On était venu faire des tests au mois de mai, justement pour voir un peu la piste. Et on s'était rendu compte un peu de la caisse de résonance que c'était. Et les chevaux qui avaient déjà du mal à rentrer dans le couloir. Du stade qui menait vers la piste. Donc voilà, on se disait que ça allait être quelque chose d'assez grandiose. Et puis, bon, c'est en Normandie, je veux dire, c'est quand même la capitale du cheval. Voilà, après, j'ai suivi des matchs de foot à Caen. Il y a quand même une grande ferveur aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'était moins bien que le cheval. Mais c'est vrai que c'était un contexte vraiment... Qui a mis le feu au stade pendant une semaine. Ouais. Et vous dites aussi que Patrice avait rendez-vous avec son destin. C'est quoi? C'est plein de petits signes qui montrent que ok, c'est ce moment ou jamais. Vous disiez que c'était chez lui justement, qu'il commençait à avoir un certain âge et que les astres s'alignent et c'est le jour de Patrice, la semaine de Patrice. Ah ben je pense qu'il s'était vraiment fixé cet objectif, ouais, plus qu'un autre. Déjà, les championnats du monde ont toujours été quelque chose de particulier pour lui. Il a toujours aimé cette formule. Il a toujours rêvé de faire la tournante. Donc, je pense que vraiment, quand c'était vraiment un moment à part pour lui. Et en plus, voilà, il arrivait là, top de sa forme. Orient était, mais dans une forme olympique, je dirais. Donc, c'était quand même un petit peu leur moment. Et puis bon, on sentait que, voilà, dans l'équipe, on comptait sur lui. C'était un des piliers de l'équipe. Donc, bah, forcément, au même titre qu'on pouvait attendre Pénélope, Kevin. Simon ou Patrice, et Patrice faisait partie des prétendants à une médaille. Et puis, bon, en France, un cavalier français doit aller au bout. Hein. Il n'y a pas tellement le choix. Page 193, vous dites, je lui demande à Patrice où se trouve la notion de plaisir dans des moments pareils. Et là, c'est le moment pareil, c'est justement quand il passe la ligne d'arrivée, qu'il touche son casque, il lâche les rênes et il sait que ça y est, ce rêve de gosse est atteint. Il répond franchement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour le sentiment d'ailleurs sur ces types de parcours. Pas de plaisir, pas de déplaisir, trop de pression, de concentration. C'est le plaisir, la plénitude, c'est dans l'après finalement, pas dans le pendant. Quand tu passes le dernier obstacle sans faute, tu es emporté, tout se relâche, tu fonds. Plus que le plaisir, je parlerai de bonheur. Comment on gère cette pression parce que finalement c'est lui qui l'a, mais on imagine qu'elle s'étend quand même à tout l'entourage. Ouais, enfin, quand même, j'aurais pas aimé être à sa place avant d'entrer en piste. Hein. Très honnêtement, je me suis dit plus d'une fois. Wow. Vraiment, t'as passé. C'est au moment où on est à la porte et qu'on nous dit vas-y, tu peux y aller.
la pression, elle était énorme, quoi. Et à la fois la pression qui s'était mise lui, et puis après, Emmanuel Armand, voilà, tout le monde rêvait de la même chose. La fédération qui comptait aussi sur lui. Quand il est rentré en piste pour le dernier parcours, voilà, oui, il y avait la pression de tout cet environnement qui n'était pas une pression négative ou quoi, mais tout le monde voulait la même chose que lui. Voilà, ça fait un peu. C'est vrai qu'encore un peu plus tard, vous parlez d'un Steve Gerda, Rodrigo Pessoa, même Guillaume Canet, Éric Navet qui vous envoie des messages à vous directement, j'imagine, pour ne pas perturber Patrice. Finalement, c'est... Comment l'expliquer ? Il avait rendez-vous avec son destin et tout le monde était derrière lui, bien plus que simplement les Français. On voit Rodrigo, on voit... Ce titre, il en avait besoin pour montrer... qui il était, son talent, et se dire « Ok, je l'ai fait, c'est important d'avoir un titre comme ça qui compte et qu'on répète, les speakers, voilà, c'est le vice-champion du monde qui rentre en piste. » C'est important ça pour tout sportif ? Je pense que c'est quand même ça qui les porte, hein, de décrocher une médaille. Steve a écrit à Patrice, Steve est vraiment quelqu'un de profondément humain, et c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de sensible, de touchant. Et les mots qu'il lui a écrits, c'est vraiment beau. Après, Rodrigo, bah forcément, il était déçu qu'il n'ait pas réussi à prendre le titre. Et donc, ils m'ont écrit, oui, eux. Parce que justement, ils se disaient waouh, dommage, mais c'était toujours des messages super positifs. Et puis, je pense qu'il est allé au bout de quelque chose. Alors, oui, il n'a pas eu la médaille d'or, mais je pense qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait donner. Et mince, on aurait pu s'arrêter avant. On a connu quand même, ça a été dur toute l'année de qualif. On a eu des hauts, des bas, et ça aurait pu s'arrêter avant. Il faut savoir se réjouir, être heureux quand même d'être allé, d'avoir vécu cette semaine inoubliable. Et voilà, c'est terminé par une médaille d'argent. Bah, il y a pire. Hein, puis, voilà quoi. Oui, finalement, Patrice est triple vice-champion du monde. Ouais, ça pèse quand même. Voilà, oui, c'est bien. C'est vrai que vous insistez beaucoup dans le livre sur voilà, positiver, on balaie, c'était quand même grandiose. Même si on imagine qu'un sportif, il n'y a qu'une place sur le podium, enfin, il n'y a que la médaille. Bien sûr que lui, il la voulait, cette médaille, et qu'il a été extrêmement déçu, et il a eu du mal à le digérer, le fait de ne pas l'avoir gagné. Après, ce n'était pas mon rôle de me mettre à côté de lui, de le regarder, de me dire « Oh là là, vraiment, qu'est-ce que c'est dommage hein. !» Oui. Voilà, il faut savoir positiver et puis rebondir. Et puis surtout, je veux dire, il se passe tellement de choses qui sont compliquées, difficiles, que voilà, ça c'est que du bonheur quand même quelque part. Donc voilà, il l'a fait, il a vécu des moments inoubliables avec ce public, avec cette ambiance, avec toute cette équipe, avec ses proches. C'est ça le plus beau et puis oui. C'est tout. Vous parlez des commentaires, des petits messages amicaux de Steve Gerda et Rodrigo Pessoa. C'est vrai qu'on imagine qu'en tant que sportif aussi, ils ont dû vivre toutes ces montagnes à parcourir et ils savent d'autant plus la saveur que ça. On se souvient de Rodrigo Pessoa qui n'était pas champion olympique en quittant Athènes et qui finit champion olympique finalement. Il y a des retournements. Il y a même autre chose. Rodrigo, il a eu la joie d'être champion du monde devant Thierry Pommel. D'ailleurs, c'est en 98 à Rome. Et il a aussi connu le fait de finir quatrième à Lexington en 2010. Je veux dire, donc il sait par quoi on passe. Il connaît toutes ces difficultés. Donc voilà. On a une question qui fait bien la transition d'Alice. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la médiatisation des sports équestres, justement? On voit des personnes comme Philippe Lejeune, qui était champion du monde à Lexington, ou plus récemment Steve Gerda, qui essaye de recentrer les valeurs du sport et de redéfinir un cadre
parce qu'on est, on est dans le trop sport business et on tire un peu trop sur les chevaux. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Comment vous voyez cette évolution? Ça, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si je suis la personne la plus adéquate pour en parler. Hein. Après, je pense qu'on a besoin de gens comme, comme Philippe, comme Steve, comme Kevin, qui sont à la tête des instances au niveau de l'IJRC, du Club des Cavaliers Internationaux, et qui véhiculent ces valeurs et qui les portent et qui les défendent, parce qu'on a besoin de ce contrepoids. Il y en a qui veulent le développer des fois un petit peu trop et en allant dans des directions qui ne sont pas forcément toujours celles du sport et de ses valeurs, ceci dit sans aucune animosité, mais on a besoin du contrepoids justement de ces grands cavaliers qui sont des hommes de chevaux, qui savent, qui connaissent toutes les rigueurs et toutes les attentes qu'il y a autour de ce sport et qu'il est nécessaire de continuer à véhiculer de bons signaux. Oui. Voilà. Je vois une autre question, c'est vrai que j'aurais pu la poser pour conclure le sujet d'avance, ce gros moment des Jeux équestres mondiaux. Que devient Orion? On imagine qu'il est à la retraite, dans vos écuries? Oui, Orion est resté au Haras de la Forge. Il est toujours monté, pas tous les jours, mais on entretient sa très belle condition. Il est très beau, il est en pleine forme et il fait la monte au Haras de la Forge. Il vit une retraite de patachon. Donc on imagine Patrice sur... Pardon, on imagine Patrice sur un de ses produits dans l'avenir. C'est quelque chose qui, symboliquement, qui est sympathique, vous savez, pour les cavaliers? Ah oui, je pense que ça lui fera très plaisir de monter des produits d'Orient, ça c'est indéniable. Mais il continue à le monter hein, de temps en temps. Il a un petit besoin de monter Orient. Des fois, ça le titille de sauter une petite barre et puis il se dit non, quand même, je ne peux pas lui faire ça. Mais oui, bien sûr, monter des produits d'Orient, ça, ce sera quelque chose qui lui plaira beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que je rebondis, on parle d'Orient, un cheval d'exception, mais c'est vrai que votre fille, Valentine, monte maintenant Hayat de Septon. Comment ça se passe quand on accueille un cheval aussi important que ça? C'est vraiment dans ce but d'aller vers le haut niveau et de faire couple ensemble? Je voyais une question par rapport à ça. Hayat, c'était un très beau cadeau pour elle. Elle m'avait toujours dit oh, si un jour je pouvais monter un cheval d'Emmanuel, ce serait Hayat. Bon, voilà, Emmanuel lui a fait ce très beau cadeau. C'est une jument extraordinaire, d'une sensibilité, d'un niveau vraiment formidable. Elle lui apprend beaucoup et elle s'entend vraiment bien avec elle ne se met pas plus de pression que ça. Voilà, elle fait de son mieux et aujourd'hui, je trouve qu'elles s'entendent vraiment bien toutes les deux, ouais. Bon, bah, merci beaucoup pour votre temps. C'est vrai que c'était très chouette de retourner dans ces championnats du monde. Et on avait à cœur aussi de faire parler d'autres acteurs et notamment ces personnes un peu de l'ombre que vous incarnez et qui est indispensable finalement pour tout sportif. Et à travers votre livre, c'est vrai qu'on apprécie se replonger dans ces moments pendant le confinement. On incite aussi un peu à la lecture. Donc malheureusement, ce livre n'est plus disponible, victime de son succès, mais on essaie de le faire vivre à travers ce live. Merci beaucoup, Sabrine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne suite de confinement. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va... Bonne fin de confinement, Théo. Bonne fin. Oui, on va croiser les doigts pour que tout rentre dans l'ordre. En tout cas, on vous remercie. Et puis, on va suivre de près l'Académie de Lavaux. Ouais, la saison 2 oui. La saison 2 va... Et dans les starting blocks, mais on va déjà essayer...
j'espère, de finir la saison 1. On y croit. Voilà, tous les enfants sont rentrés chez eux, mais je pense qu'ils ont à cœur de revenir le plus vite possible. Ils trépignent un peu chez eux, mais oui, voilà, en espérant que ça revienne vite, qu'ils puissent finir leur année scolaire et finir avec leurs objectifs, leur saison de compétition avant la prochaine rentrée. Voilà. Eh ben merci beaucoup. On espère que ce live vous a tous plu. C'était un premier test. D'habitude, ça direct sur Instagram. À demain avec Yannick Bichon sur Instagram, justement. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.